ça fait 5 ans qu'on participe au Cabo Verde en Valais. Et c'est très intéressant pour nous parce que le but c'est de se faire connaître, d'avoir des nouveaux clients. Moi je fais chaque année une fois au printemps, une fois en automne, une porte ouverte. Pour mes clients, là, c'est sur inscription. Mais ces journées-là, c'est vraiment pour se faire connaître. Il y a des gens quand même de toute la Suisse qui se déplacent. Et c'est vraiment 3 journées importantes et très intéressantes. Plaisir, c'est Cabo Verde parce que d'abord il y a une convivialité des gens qui arrivent de toute la Suisse et puis là on a toute l'équipe de Nologi qui est en place, donc c'est les personnes qui travaillent avec le vin toute l'année dans la cave qui sont là pendant le week-end de l'Ascension pour recevoir les gens, donc c'est personnalisé avec des gens qui sont proches du produit pour l'expliquer. Alors on a vraiment on a un grand développement de beaucoup de vin. Maintenant je viens de présenter un vin bio. On développe 14 hectares de vignobles bio aussi. Et puis on a le Cayas, le chien Cayas avec les millésimes et puis développer ses vanguardes à fond. Et aujourd'hui on fait les caves autour de Vétro. Donc on marche à pied. On a fait 4 ou 5 caves avant. Le principal c'était la mine. On s'est dit qu'on voulait faire la mine aujourd'hui. Et puis on découvre aussi quand même plusieurs caves grâce à ce thème-là. Mais on a fait des jolies découvertes dans la cave de la Saline, la cave ici aussi chez Germanier. Donc on est toujours très bien accueillis, bien reçus par les gens. Alors c'est la première fois que je découvre les caves ouvertes, c'est vraiment sympathique. Ça permet de découvrir un peu les cépages et puis les caves valaisannes. Je ne connaissais pas du tout, je viens de France voisine. Donc c'est vraiment sympathique et les gens sont agréables et on reviendra l'année prochaine. Alors, je suis très fière de présenter aujourd'hui mon Payen. C'est une magnifique vigne à l'étroit, en altitude, on est vers 700 mètres. Et puis c'est une vieille vigne, tout en fuseau. Et puis on n'a pas beaucoup de grappes, on a vendangé avec les paniers. Et puis c'était le raisin, il était comme d'or, il était magnifique. On a fait une macération d'un jour et demi, j'ai fait. Et puis ensuite j'ai pressé avec un presseur vertical. J'ai mis un barrique, j'ai pas débourbé parce que les bourbes, elles étaient magnifiques. Et j'ai remis les bourbes, j'ai mis un barrique, il a fermenté. Et puis il est toujours en barrique parce que mes vins aujourd'hui, je présente, c'est en primeur. Rien n'est en bouteille parce que je ne veux pas mettre les vins en bouteille parce que c'est les caves ouvertes. J'attends que le vin, c'est lui qui décide quand il est prêt. Mais je suis très fière de présenter aujourd'hui mes petites Arvines et le Payen. Alors j'aime bien le principe des caves ouvertes et puis ce qui me plaît surtout c'est que j'aime bien venir déguster les vins de Camille, Cracole, le jour-là, spécialement le jour-là, c'est le seul moment où on va dans les caves.